C'est pourquoi qui m'a constaté aujourd'hui qui et dans beaucoup de monde pétoune zot vers le MSM. Parce qu'ils ont trouvé nous constance, ils ont connu nous passé, ils ont connu nous volonté pour l'avenir, ils ont connu nous vision, ils ont connu nous pas zigzaguer, ils ont connu dans le leadership fort, ils ont connu qui est dans la jeunesse. Et nous avons de l'expérience aussi avec nous, mais qui est dans le même principe. Hein? Et je connais qui nous pour aller, pour le nettoyer, pour le redresser et pour le reconstruire. L'objectif MSM qui reste pareil. Et je dis à vous, qui est ça au niveau de Jagnat, qui est moi-même, qui est mon camarade dans MSM. Nous pouvons travailler avec encore plus de détermination au vu de ban bouleversement politique, encore plus de détermination. Comment vous dire, mon crédit pour nous, pas la cause de ce qui finit arriver là, qui nous sens trajectoire, pour nous, Navin Rangoulam finit la décadence économique, la décadence sociale. Et moi, pas besoin de dire décadence morale. Hein? La cause ça nous dit MSM nous promène vrai sens dans sa ville. Et comme on peut dire, nous avons un paquet de monde qui peut venir nous. Un du monde de bonne volonté. Nous finissons d'établir d'ailleurs un calendrier là où nous avons une prochaine activité. Vendredi le 9 mai, nous pouvons mort d'Albert pour un congrès. Vendredi le 16 mai, nous sommes dans pleine verte. Jeudi le 22 mai, nous pouvons Vaqua. À la municipalité de Vaqua. Vendredi le 30 mai, nous sommes dans Woodlands. Et vendredi le 6 juin, nous sommes à Saint-Pierre. Aussi, ben, l'occasion pour montrer qu'il ne pas nous faire juste Rivière du Rempart, un congrès, succès éclatant. Il faut aussi ben, les autres occasions pour nous faire dans différentes parties de l'île, pour continuer à passer nos messages, mais il faut démontrer aussi qui manière la population peut adhérer à la cause et à la lutte et le combat du MSM. En tout cas, le parti, ban militant, nous gonflait à bloc. Nous avons l'enthousiasme qui tient dans la rivière du Rempart. Moi, partout, quand je peux aller avec ban militant, il y a une motivation extraordinaire. Et nous paraît pour le récréer encore une fois l'histoire de ce pays-là. Pareil comment nous le faisons depuis 1983. Nous payons continuer à recevoir beaucoup de monde qui peut aider à autres parties, ban professionnels, ban jeunes, ban madame, ban de monde qui a l'expérience, et les autres peuvent rassembler autour du MSM. Et là, il faut me dire, c'est dans un contexte pareil, continuer dans le bouleversement politique. Ben, adhésion n'est pas seulement encore plus important, mais lui montrer détermination ben, adhérent. Ça veut dire ben, du monde qui peut venir joindre nous. Je n'ai pas besoin de nous. Quand tu es dans Rimec, nous tout connaissons quand tu es dans Rimec. Rimec, tu peux balayer carreau dans une prochaine élection. Nous tenons un du monde qui peut aller joindre le parti. Mais aujourd'hui, Pénarimé, aujourd'hui à Messin, seul, la quantité de jeunes professionnels qui peut intéresser pour joindre le parti. Il est extraordinaire. Et il montrait justement notre sincérité aussi dans le besoin. Jeudi le 20 mars, je présente 10 professionnels qui viennent joindre le parti.
Jena Robin Napaya, Angela Bildu, Mohamed Ali Barkatoula, Johnny Dumazel, Shakila Bibi Djangir, Hans Lejul, Oumen Kalichen, Ranjay Singh Kunbiari, Sudhir Sisankar et Madame Brenda Sheila Tanakudi Sobran. Azodi, on a le plaisir pour introduire Azod, 6 nouveaux adhérents, 6 professionnels qui désormais pour faire partie de nous l'équipe du vrai changement. Le nain camarade Rochi Badin, jeune avocat qui finit faire lier une solide réputation dans l'investigation de crimes financiers à Maurice et à l'étranger. Il fait un travail en Angleterre, Sud-Afrique, Singapour, Dubaï. Ce service fait retenir dans le passé par plusieurs institutions publiques et ministères, comme STC, CWA, CB, ministère Finance, ministère de la Santé. Il est un ancien chef enquêteur de l'ICAC et un professionnel qui n'a pas fini d'hésiter pour proposition dans le passé. Donc plusieurs sujets d'actualité et mon pédadou, il y en a encore beaucoup par rapport au pays. Camarade Bassen Kobemoutou, qui est un ingénieur en environnement et océanographe, connu pour un paquet de prises de position pertinentes. L'eau baptisée qui est entrée à la mer, le lagon, l'environnement en général, qui peut aider beaucoup de petits gens, de pêcheurs, de gens qui tournent au littoral. Troisième camarade, c'est Pravin Kumlaji, un expert comptable, pas ici, Pravin Kumlaji, un expert comptable, qui fait travail pendant plus de 25 ans en Angleterre. Et là, il est partenaire de cabinet expert comptable Euro Undertons LLP. Quatrième camarade, Michel Moutoussami, qui est diplômé en bookkeeping et comptabilité. Je le connais très bien, parce que de 2004 à 2008, il est président de la fédération de petite et moyenne entreprise. Et les membres fondateurs aussi de l'organisation pour l'unité. Cinquième camarade, Mohamed Rizwan Pirali, qui est enseignant dans le secondaire privé, qui est engagé dans le social et dans le sport aussi, notamment dans la région le Nord et l'Est. Et le sixième camarade, Rakesh Raghubir, qui est spécialisé en économie et en business. Et vous avez dit que camarade Rakesh est un ancien membre du think tank du Parti travailliste à l'époque. Il travaille beaucoup l'idée, le programme. Et puis, un bon bout de l'étang, il quitte le Parti travailliste. Et nous finissons régulièrement en contact et Zodi choisir pour militer avec nous et lui aussi engagé dans le social. Donc c'est une adhésion qui peut montrer que MSM peut consolider davantage. MSM peut attirer une compétence et qui, plus que jamais, le MSM devient la force politique qui peut séduire par sa sincérité, par son idéal, son leadership
et par vision qui est là pour l'avenir. Ça va, camarade là, mon père n'a absolument aucun doute qu'il se pourra apporter cette contribution, surtout dans sa vision qui nous est là pour l'île Maurice. Et je souhaite la bienvenue dans nos parties. Nous sommes militants accueillis à bras ouverts et nous surtout contre nos autres compétences, nos autres expériences pour nous accomplir de nouvelles missions. Et nous disons, redonne l'espoir à la population. Nous disons, réalise le vœu, le souhait de la population. Et nous disons, amène un véritable sens. Laisse-moi terminer par souhaite à mon camarade journaliste à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Premièrement, pour le travail qu'ils ont fait, mon camarade, nous l'appréciation. Parce qu'il y a un travail qui n'est pas facile. Surtout dans le contexte côté de la turbulence politique. Hein? Parfois, qu'elle est ouverte. Mais la presse, là, pour éclairer la population, vous avez déjà fini une bonne interaction entre médias, les réseaux sociaux et les peuples. En tout cas, il est très bon pour la démocratie. Et quand vous avez dit la presse, il est bon, vous avez quand même. MBC, il n'y a pas, hein? Parce que franchement, une boîte de propagande, un outil qui servit par Navin Ramgoulam. Et ça ne vaut pas de comprendre. Qui manière une station nationale qui peut servir comme un outil politique, qui peut faire désinformation, qui peut faire manipulation, qui manière nous cautionne ça? Navin Ramgoulam qui peut faire ça. Car quand il croit, il y a un c'est Ramgoulam qui a la tête. Mais bon, toujours nous pour là, en tout cas, le MSM pour la guerre, nous compte ça qui a été MBC là. Mais aussi nous pour la guerre qui, la presse, est là véritablement sa liberté. Et c'est ça qui quand même contribue à faire nous renforcer la démocratie.